Yahoo les bonchats, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée s'est bien passée. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 3 boosters de Zelda. Donc si la suite vous intéresse, continuez. Donc du coup en ce qui concerne les boosters, comme vous pouvez le voir, ils m'ont coûté 5,50€. Je les ai achetés sur Nantes dans une boutique manga. Donc je vous mets l'adresse en barre d'infos bien entendu. En ce qui concerne les boosters, du coup à chaque fois on a 3 porte-clés. On a 3 personnages à chaque fois, donc Link, Zelda et Ganondorf. On a du coup Ocarina of Time, Twilight Princess et Wind Waker, voilà, au niveau des séries. En ce qui concerne les boosters, j'en ai acheté 3, pourquoi? Tout simplement parce que le jour où j'y suis allée, je ne sentais pas la chance en moi. Et comme j'avais 3 accompagnants, j'aurais dit, vous m'en choisissez un chacun et on verra du coup qui aura été le plus chanceux. Donc j'ai retenu au niveau, c'est l'avantage du placement des étiquettes, il n'est pas pareil. Donc celui-ci c'est ma meilleure amie, celui-ci c'est ma maman et celui-ci du coup c'est le chéri de Créa Akimi, donc qui est ma meilleure amie, qui a une chaîne YouTube, je vous la mets en barre d'infos. Donc du coup on va commencer dans cet ordre, on verra du coup si Créa Akimi a plus de chance. Hop là, on va légèrement zoomer, je vous le remonte un petit peu quand même, voilà, en espérant que ça soit pas trop flou. Et du coup, c'est parti. Voilà. Donc, voyons voir si elle a un peu de chance. Déjà, on va enlever. Ah, bon, d'accord. C'était protégé par un carton. Je pensais que c'était un papier. Donc, on a Ganondorf. Et c'est la version Wind Waker. Voilà. Il a l'air sublime. Donc, c'est quoi? Ah non, on peut directement le choper. Ok. Ah oui, d'accord, c'est comme une sorte de, j'allais dire plaque de verre, ouais, plus ou moins, mais... Donc, waouh! Ah oui, quand même! Hop, alors, je sais pas trop... Non, logiquement, vous êtes pas flou, j'espère, sinon je referai la prise après. Donc, voilà, donc, on a un petit truc pour ouvrir et accrocher. Donc là, je sais pas si on verra trop avec les reflets ou pas, mais il y a écrit Zelda... Je les en ai, il n'y a pas le nom de la série derrière par contre, c'est dommage. Et donc du coup voilà, derrière on a les petits dessins, les petits triangles, après la Triforce. Et on a juste des informations, Nintendo, ça date de 2015 par contre, d'accord. Donc voilà, pardon, j'étais plus dans le cadre. Et ils sont grands parce que ma main, je vais vous dézoomer, ma main fait 15 cm en partant de là à là. Ça doit faire au moins 5 bons centimètres. Hein. Donc vraiment très satisfait de ça. Et le prix, franchement, je trouve que ça vaut. Donc du coup, le deuxième, celui-ci, c'est celui que ma maman a choisi. Donc du coup, on va voir si maman ours a de la chance. On va faire comme ça. Et... Oh! Donc du coup, on est avec Link. Mais toujours de la même série. Donc Wind Waker. Mais il est en noir et blanc. Alors que sur l'image, il est en couleur. Donc, est-ce que ça serait genre un truc secret ou un truc comme ça? Ou alors c'est normal, j'en sais rien. Mais je trouve ça marrant. Donc, pareil, l'arrière, c'est en noir et blanc. Je vais vous rezoomer. Voilà. Donc, je sais pas, franchement. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est normal vu que l'autre Ganondorf était en couleur? Je ne saurais pas dire. Donc je vous montre de plus près qui a fait ça au cas où que ça puisse vous intéresser. Voilà, je vais vous montrer vite fait. Et donc du coup maintenant on va attaquer au dernier booster. La vidéo aura été très rapide quand même. En même temps il n'y avait que 3 boosters à ouvrir. Et donc du coup on va voir si le chéri du coup de ma meilleure amie a eu un truc cool. Ça serait bien si on pouvait faire Zelda du coup de la même série. Est-ce qu'ils vont... Non, on a Link, mais Link du coup de la version Twilight Princess. Ok. À chaque fois j'ai des doutes au niveau des séries, donc je préfère relire plutôt que dire des bêtises. Donc le voici. Donc lui il est en couleur, donc l'autre, soit c'est un défaut, soit c'est un truc chanceux. Et pareil, le symbole derrière en jaune. Ok.
La vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Pensez à aller voir dans le i du coup, histoire de me dire quel est votre porte-clé préféré. N'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos sur le thème Zelda ou si vous voulez d'autres ouvertures de ces boosters-là en particulier. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve sûrement rapidement pour une nouvelle vidéo Zelda. Sur ce, à bientôt !